Voici trois erreurs à éviter si vous êtes au milieu de terrain. Il y a beaucoup d'erreurs à tous les postes qu'il faut éviter. Et vous voyez, de temps en temps, si vous voyez les mêmes titres, ne soyez pas surpris, ne soyez pas découragé. Et peut-être qu'on a évoqué d'autres erreurs dans d'autres vidéos, ben, ce n'est pas les mêmes erreurs. Pour chaque poste, on peut dénombrer des milliers d'erreurs. Donc voilà, je vais vous donner encore trois erreurs que les milieux de terrain font. Bien sûr, si vous faites ces erreurs-là, vous n'allez jamais jouer dans un club, vous ne serez jamais titulaire. Donc suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Première erreur, les milieux de terrain qui ont peur d'avancer, c'est-à-dire, vous voyez, chaque équipe gagne, chaque équipe marque, chaque équipe joue bien sûr pour gagner. Et pour gagner, il faut aller de l'avant. Faut pas pratiquer un football stéréotypé. On voit des milieux de terrain aujourd'hui qui n'ont pas un volume de jeu. Et le mec, il joue tout le temps sur place. C'est sûr qu'il est en train de toucher. C'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons sur place, mais ça n'avance pas. Le jeu n'avance pas. Aucun entraîneur voudra jouer avec ce type de milieu de terrain. Si vous êtes ce type de milieu de terrain, changez votre jeu. Ne jouez pas frein en main. Allez, les milieux de terrain qui prennent du risque, c'est ça qu'on veut aujourd'hui, les milieux de terrain qui jouent vers l'avant. Mais la grosse erreur, c'est que bon, beaucoup de ces jeunes, beaucoup de ces milieux de terrain jouent sur place ou bien des fois ils jouent en retour passe derrière. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours, bien sûr, où j'ai refusé, j'ai banni les retour passes ici sur la chaîne. J'espère que vous avez vu la vidéo est encore sur la chaîne. Donc, apprenez à jouer vers l'avant. C'est ce qui fait, bien sûr, que bon, des clubs européens, il y a de très grands clubs aujourd'hui qui n'arrivent pas à développer leur football et qui ont de difficultés à jouer, à aller, bien sûr, de l'avant. Donc, allez de l'avant, allez de l'avant, prenez de risques. Deuxième grosse erreur que font les milieux de terrain, c'est que bon, le mec, il est un peu négligent, vous voyez, il est un peu négligent. Il se dit déjà que j'ai déjà tout, bon, j'ai déjà un bagage essentiel, j'ai déjà tout ce qu'il faut, bien sûr, pour pouvoir faire une grosse carrière. Donc, il devient du coup négligent et les contrôles, au lieu de bien faire les contrôles, il fait la passe, il se la joue star et il fait la fantaisie. Si vous êtes négligent et ça déteint sur votre football, les gens vont vous jeter sur le banc. Les entraîneurs n'ont aucune pitié aujourd'hui. On veut des joueurs qui sont déjà prêts, qui sont prêts, qui veulent jouer en même temps, qui veulent déjà vous aider à gagner les matchs. Mais si toi tu es là à jouer, bon, au négligent, et tu es là, au lieu de faire un bon contrôle, là où tu dois faire un contrôle orienté intérieur, tu fais un contrôle extérieur pour montrer que tu es star et tu joues à la Star Maria et ça rejaillit sur l'équipe. Dernière fois, il y a un footballeur que moi j'ai titularisé. Lors d'une compétition, on menait 2 buts à 0. L'équipe adverse a remonté un but, ça c'est venu à 2-1. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a commencé par faire des contrôles, il a commencé par se la jouer star et il a perdu le ballon et on a marqué, ils nous ont marqué le but, ils ont égalisé. Vous voyez, alors que ce match nul nous éliminait bien sûr des phases de poule. Si on gagnait, on allait sortir et on gagnait déjà à 10 minutes, on était déjà à 2-0. Vous voyez comment à lui seul il a pété la rencontre et vous pensez que à un certain niveau, à un autre match, moi je vais encore titulariser ce gamin-là. C'est pourquoi je vous dis, soyez concentrés. Parce qu'il a été négligent à une certaine période. Troisième erreur que font les milieux de terrain. Le mec, il prend tout son temps. On lui fait une passe. Il prend tout son temps avant de faire une passe. Non. Contrôle passe. C'est au plus une seconde. Si tu prends tout ton temps avant de faire une passe, tu ne peux plus jouer dans un club aujourd'hui au 21e siècle. Parce que le joueur qui est au-dessus de la moyenne ne joue plus comme ça. Les joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, qu'est-ce qu'ils font? Le mec, en 5 minutes, peut toucher beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons au milieu de terrain. Beaucoup de ballons, vous touchez de petites balles parce que les espaces sont très très réduits au milieu de terrain. Voilà, il n'y a pas d'espace et tu veux maintenant te jouer la star. Tu veux faire quoi? Tu veux contrôler quel ballon? Tu veux perdre quel temps avant de faire une passe? Ressaisissez-vous, hein. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre l'euro.